Alors, nous avons le plaisir de poursuivre les échanges sur les fondamentaux de la gouvernance des ressources naturelles, minières et minérales en Afrique de l'Ouest. Dans les précédents échanges, on a parlé un peu du cycle de vie de la mine, à toutes les étapes de l'exploration jusqu'à la fermeture de la mine et la post-fermeture, en passant par la construction et la planification, ensuite l'exploitation proprement dit. Et à toutes ces étapes, nous avons constaté qu'il y a des impacts environnementaux, sociaux et économiques qui avaient fait l'objet d'un deuxième échange au module 2. Et au module 3, nous avions discuté un peu des liens qui existent entre ce secteur ou qui pourraient exister entre ce secteur et les autres secteurs de la vie économique, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, toute autre activité économique, l'industrialisation. L'idée était de voir comment ce secteur peut être une opportunité de développement économique et durable, de sorte que des autres secteurs soient intrinsèquement liés au, disons, à la valeur ajoutée du secteur extractif. Mais tout cela doit être encadré par une stratégie ou une politique. Alors, c'est ce qui fait que cette fois-ci, nous allons aborder la notion de politique minière et la stratégie de développement. L'idée pour nous, c'est de voir un peu comment renforcer la compréhension de l'élaboration ou de la révision pour ceux qui ont déjà des politiques minières ou des stratégies. Et c'est de comprendre aussi quels sont les fondamentaux d'une politique minière ou d'une stratégie pour que celle-ci puisse favoriser la croissance et le développement. Alors, on reviendra un peu sur quelques considérations générales avant de nous attarder un peu sur le processus, comment ça se passe, et puis à quelle sorte de résultats on pourrait s'attendre et c'est quoi son plan de mise en œuvre. Toujours est-il que le gouvernement, jusque-là, était le maître d'œuvre dans l'élaboration de la politique qui encadre la gouvernance des ressources naturelles. Et rarement, les autres acteurs étaient mobilisés ou associés dans le processus, même si maintenant, les choses ont évolué avec l'avènement depuis 2002-2003 de l'ITE, qui a permis d'avoir tous les acteurs autour d'une table dans le cadre de la mise en œuvre de cette norme mondiale où il y a un groupe multi-acteurs, l'État, la société civile et les compagnies qui s'assoient autour d'une seule table et discutent des enjeux fondamentaux et ensuite comment élaborer des stratégies de façon collective, participative et inclusive pour pouvoir prendre en charge la gouvernance des ressources naturelles. Alors, le rationnel derrière, c'est que cela donne la possibilité à tous les acteurs, d'où qu'ils soient, en fonction des impacts qu'ils subissent, de pouvoir au moins contribuer aux instruments qui gouvernent le secteur de façon inclusive. Donc, la notion de participation des parties prenantes reste clé dans l'élaboration ou la révision d'une politique dans ce secteur et même dans d'autres secteurs. Cela permet à tout le monde de proposer des solutions aux problèmes qui sont énoncés, chacun devant du point de vue de sa perspective, ce qui fait que des journalistes, des ONG, des citoyens, les communautés, tous les acteurs, les chercheurs, les parlementaires, tous sont souvent conviés autour d'une table ou sont consultés de sorte qu'ils puissent donner leur position, donner leur contribution dans l'élaboration de ces instruments.
Alors, cela permet de rendre légitime la politique, c'est-à-dire la perception positive que l'ensemble des acteurs ou des parties prenantes pourront avoir, mais aussi cela facilite l'efficacité lors de la mise en œuvre de cette politique, parce que tout le monde sera approprié les piliers de cette politique-là. Donc, elle répondra à l'ensemble des besoins et aux aspirations des partis, de sorte que chacun se retrouve dans la politique. Et cela augmente souvent son efficacité. Et c'est valable aussi pour tous les autres instruments, que ce soit la politique, les lois et autres. Donc, si l'approche est participative, je crois que c'est la meilleure façon de garantir une efficacité de ces instruments. Et si elle n'est pas efficace, si on devrait se tromper, qu'on se trompe tous de bonne foi et de façon collective. Donc, c'est à peu près les fondamentaux d'une bonne politique minière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une bonne politique minière? Parce que la politique, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la vision, l'image future, à quoi devrait ressembler le secteur extractif. C'est ça qu'on appelle un peu la politique. C'est à peu près le plan stratégique du secteur, ou bien tableau de bord, ou ligne de conduite en fonction de l'appellation que vous voulez ou que nous voulons lui donner. Mais l'idée, c'est une sorte de tableau de bord qui nous permet de voir à peu près qu'est-ce qu'il faut faire, à quel résultat cela pourra mener. Et sachant que la finalité, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations ou de l'économie autour de ce secteur-là. Alors, une bonne politique des minéraux devrait donc fournir des directives pour prendre des actions ou des décisions, devrait fournir des certitudes et des attentes, et permettre aussi de bien planifier à travers toutes les parties prenantes, bien sûr, le secteur. Donc ça, c'est fondamental. Vous verrez que dans beaucoup de pays, il y a des services dédiés à la planification. Donc, la politique minière permet à ces services qui sont chargés de la planification de bien intégrer ce secteur-là dans leur travail. Donc, ce qui fait que si on veut qu'elle soit légitime, efficace, il faudrait qu'on évite qu'elle soit perçue comme étant des instruments qui favorisent juste les intérêts d'un groupe. Ça, c'est fondamental. Ensuite, pour qu'elle puisse être efficace, il faut qu'il y ait, à la limite, des consultations d'équipes multidisciplinaires. Il ne faut pas tout simplement avoir la logique de l'économiste ou bien la logique tout simplement du technicien. Il faut avoir la logique de tous les acteurs, d'où qu'ils soient, avec leur expertise. Ça, c'est fondamental. Donc, si vous voulez une bonne politique minière, il faut intégrer cette dimension de multidisciplinarité. La responsabilité d'élaborer la politique est souvent attribuée à l'État, et c'est normal. Il faut qu'il y ait au moins un organe qui puisse diriger le processus. Et bien sûr, on l'a rappelé au début, la participation et l'inclusivité constituent les garanties de légitimité ou d'efficacité d'une politique, qu'elle soit minière ou qu'elle relève d'un autre secteur. Alors, c'est la meilleure façon de garantir au moins les liens entre ces secteurs-là et les autres secteurs pour qu'ils puissent contribuer au développement et à l'économie nationale. Donc, ça, c'est fondamental. Les éléments qui peuvent être constitutifs d'une politique peuvent être placés en grandes catégories en fonction de la phase dans laquelle on se trouve dans le cycle de vie de la mine. La politique peut avoir des aspects qui se limitent juste au niveau de l'exploration, d'autres à l'exploitation proprement dit. La politique aussi devra intégrer la dimension de mobilisation des ressources à travers soit la fiscalité ou le financement, etc. C'est pourquoi vous observerez que les politiques minières ne sont pas les mêmes dans tous les pays parce qu'on n'a pas le même régime fiscal dans tous les pays. On n'a pas le même système de financement dans tous les pays.
on n'a pas la même sensibilité à l'environnement et au développement durable dans tous les pays. Donc, ce qui fait que les politiques minières doivent être adaptées au contexte de chaque pays, même si des principes fondamentaux peuvent être partagés par l'ensemble des pays d'une région donnée. C'est pour cela qu'en Afrique, nous avons la vision minière africaine qui construit une sorte d'orientation dont les politiques nationales peuvent s'inspirer. Et l'Union africaine l'a si bien compris qu'elle avait recommandé à chaque État d'élaborer sa politique nationale minière ou bien sa vision minière nationale. Et vous verrez que la CEDEAO qui a aussi élaboré sa politique des ressources naturelles en 2012 avait clairement indiqué que chaque État a la liberté de mettre en œuvre cette politique-là en fonction des réalités qui lui sont propres. Donc, il n'y a pas une politique standard. Chaque politique, chaque loi doit refléter la réalité de l'État pour lequel ou du pays pour lequel elle a été élaborée. Alors, en tout état de cause, ce que cherchent les États, y compris aussi les exploitants, c'est une valeur ajoutée. C'est de voir un peu comment ce secteur-là peut renforcer leur économie. Ça c'est à l'aise, c'est clair. Donc, c'est pourquoi vous verrez que les politiques minières ont souvent tendance à avoir une orientation à la limite un peu économique et financière. Et on a parfois tendance même qu'elles oublient ou qu'elles ignorent les droits des communautés ainsi que les obligations de certains acteurs. Parce que la recherche du profit constitue à la limite la finalité fondamentale et pour l'État ou le gouvernement, pour les compagnies qui exploitent. C'est ça qui crée souvent ces écarts entre les populations. Mais pour qu'ils soient encore une fois légitimes, qu'ils soient encore efficaces et participatives, je crois que si elles reflètent l'ensemble des préoccupations des acteurs, cela constitue au moins une garantie de bonne mise en œuvre de cette politique. Alors, d'abord une politique, comme je l'ai dit, comme l'objectif final pour l'État, c'est qu'elle puisse accroître l'économie. Donc naturellement, sa contribution à l'économie reste un pilier fondamental ou une considération fondamentale. Et ensuite, elle devrait refléter un peu comment les ressources seront dépensées, comment elles seront réparties, comment elles vont intégrer d'autres secteurs de l'économie du pays, comment elles vont améliorer la qualité de la vie et en éradiquant la pauvreté, mais tout en restant durable. La durabilité ici fait appel à la préservation ou à la sauvegarde de l'environnement, de la biodiversité, de l'écosystème de façon générale. Alors, la politique devrait contribuer aussi à la réalisation des objectifs économiques du pays pour lequel elle a été élaborée. Ça, c'est fondamental. C'est pour cela que vous verrez, dans chaque stratégie de développement national, on accorde une attention spéciale au secteur clé de l'économie, y compris le secteur extractif pour les pays qui disposent des ressources. C'est en cela que la politique minière ou la politique minérale doit être alignée aux objectifs de développement de ce pays qui sont consignés dans la stratégie nationale de développement. Et fondamentalement, le Parlement a un rôle à jouer dans ce processus-là parce qu'il légifère donc sur comment on distribue les ressources, sur le régime fiscal, etc. Donc, naturellement, c'est important que les parlementaires puissent jouer un rôle particulier dans l'élaboration de la politique. Ensuite, il est essentiel que les objectifs de développement du pays puissent renseigner la politique minière de ce pays-là, parce qu'il ne doit pas y avoir un désaccord entre les approches au niveau national et au niveau spécifique de la politique en lien avec le secteur des ressources naturelles.
toutes les parties n'ont pas les mêmes intérêts ou bien ne voient pas de façon, ou ne sont pas impactées de façon harmonisée par les industries extractives. Donc la politique doit aussi refléter ces différences qui existent entre les différentes parties prenantes, que ce soit les communautés, le secteur privé, l'État lui-même, etc. Donc, tous ces acteurs doivent voir leurs intérêts ou leurs spécificités prises en compte dans l'élaboration de la politique. Par exemple, le secteur privé national, il trouve son intérêt beaucoup plus dans un contenu local. Les communautés, beaucoup plus dans le respect de leurs droits, indemnisation, compensation, etc. et protection de leur environnement. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre pour gérer l'ensemble des préoccupations de toutes les parties prenantes. Donc, ça, c'est fondamental. L'approche, on l'a dit, elle doit être consultative et participative, c'est-à-dire c'est d'associer l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration. Donc, leur engagement est nécessaire et c'est pourquoi, par exemple, à l'ITE, nous avons une sorte de groupe multipartite où toutes les couches de la société sont représentées. Il ne faudrait pas aussi que la politique soit à la limite contradictoire aux autres instruments, que ce soit politique et juridique du pays. Au contraire, la politique doit refléter l'ensemble des principes qui sont énoncés, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans le code minier, que ce soit les autres instruments internationaux auxquels l'État pour lequel la politique a été élaborée puisse refléter, bien sûr, ces standards auxquels les États ont adhéré. Donc ça, c'est fondamental. Une autre considération importante, c'est le développement durable. On peut tirer beaucoup de profit de l'exploitation des mines, mais il faut se rappeler que ce sont des ressources épuisables et non renouvelables. Et si les impacts négatifs ou les externalités négatives de l'exploitation sont plus importantes que les bénéfices qu'on en tire, alors finalement, le secteur n'aura pas contribué à un développement durable. Il aura réglé juste un problème ponctuel, mais de façon structurelle, ce qu'il aura détruit restera beaucoup plus important. Donc, c'est fondamental que l'on puisse prendre en compte l'environnement, parce que c'est un secteur à fort impact environnemental. Ensuite, de voir comment ce secteur-là peut être lié aux autres secteurs, de sorte qu'il puisse les booster ou que ce secteur-là puisse le booster. La notion de complémentarité et de lien avec les autres secteurs. Et finalement, c'est de voir dans le cadre dans lequel les opérations se réalisent, que ce soit au niveau local, que ce soit régional ou national, voir comment ce secteur-là peut intégrer effectivement les autres secteurs de la vie économique. Donc, ce n'est que ça qui pourra le rendre au moins durable. Il y a aussi d'autres facteurs importants à considérer quand on parle de politique minière. C'est fondamentalement comment les investissements étrangers puissent impacter ce secteur-là, parce que généralement, l'exploitation est faite par des privés internationaux, ce qu'on appelle les multinationales. Donc, il faut qu'il y ait un cadre juridique qui aménage ou qui définit clairement l'intervention de tous ces secteurs-là. Et comment le climat d'investissement du pays est en lien ou favorise aussi ces interactions internationales en termes économiques. Donc, cela est fondamental quand on élabore une politique. Donc, vous avez vu, c'est un ensemble de considérations majeures qu'il faut voir quand on pense à élaborer une politique. C'est les normes internationales, c'est les pratiques, c'est les standards, c'est les liens, c'est la complémentarité entre les secteurs, c'est le cadre législatif de façon générale, et y compris la Constitution et les lois spécifiques au secteur. Ensuite, les relations entre les acteurs. Bon, quand on élabore
une politique, c'est tous ces instruments-là qu'il faut prendre en charge. Je l'ai dit aussi, les pays n'ont pas les mêmes réalités. C'est pourquoi chaque pays doit avoir sa politique spécifique. Donc, éviter encore une fois le copier-coller. Telle politique, et voici ce qu'elle a donné en Guinée et voici ce qu'elle pourrait donner au Sénégal ou vice-versa, n'est pas une bonne approche. Donc, les pays n'ont pas les mêmes expériences aussi dans ce secteur-là. D'autres ont une longue expérience. Certains n'ont vu leurs premières ressources que récemment. Donc, de ce point de vue-là, naturellement, ces pays ne peuvent pas avoir les mêmes avantages, ne peuvent pas avoir les mêmes visions dans ce secteur. Donc, ça, c'est fondamental. Ensuite, la qualité et la quantité pour chaque pays, les informations géologiques détenues pour tel ou tel autre pays ne sont pas identiques. Donc, de ce point de vue-là aussi, il faut voir comment prendre en compte toutes ces réalités. Parfois, dans un pays, on a tout ce qui est compétences techniques et humaines. Dans d'autres, il n'y en a toujours pas. Donc ça aussi, c'est fondamental de voir comment aménager un cadre qui permettrait de renforcer les capacités en termes de curriculum, de sorte que les États qui ont des ressources puissent accueillir favorablement ces compagnies-là et favoriser le développement local à travers l'emploi local. Ça, c'est important aussi. Et voir, en termes de marché, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nos pays. Parce qu'il arrive qu'une partie de l'exploitation, surtout si elle est artisanale, se fasse au niveau local. Mais en termes de développement dans le marché, ça reste un peu problématique. Il y a eu beaucoup de conflits entre des exploitants artisanaux qu'on appelle orpailleurs en Afrique de l'Ouest, et souvent l'administration publique, effectivement, dans le cadre de l'écoulement du produit qu'ils ont extrait. Donc ça aussi, ce sont des instruments qu'il faudrait considérer au moment de réaliser la politique minière. Et c'est la même sorte que les infrastructures dont dispose le pays ont naturellement un impact fondamental sur la politique qu'il faut déterminer. Donc un pays qui a beaucoup plus d'infrastructures ne peut pas avoir une politique similaire avec un autre pays qui n'en a pas. Donc ça, c'est fondamental aussi. Donc le processus, comment il se passe? Je disais tout à l'heure que c'est divers acteurs, c'est diverses compétences qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir disposer d'une politique efficace de façon participative et inclusive. Donc, un large éventail de parties prenantes de manière transparente et consultative permet d'abord de garantir une bonne politique minière. Donc, ce qui fait que acte 1 dans le processus, c'est l'identification des acteurs, la cartographie des acteurs. Donc, ça, c'est essentiel dans ce processus-là. Ensuite, il faudrait s'appuyer sur une décision politique ou sur la rationalité. C'est de voir effectivement comment, à travers des groupes bien organisés, à travers des instruments qui existent, pouvoir partir au moins de cet acquis-là pour pouvoir développer de façon rationnelle une politique à une durée bien déterminée. Donc ça aussi, c'est fondamental. Alors, il faut les parties prenantes identifier. Il faudrait commencer par les échanges d'abord, pour que chacun puisse comprendre c'est quoi ce processus-là et puisse s'approprier le processus, et bien sûr, pour se sentir suffisamment concerné. On ne peut pas forcément avoir des points de vue convergents à tout niveau, mais effectivement, c'est toujours bien de trouver un équilibre entre les parties prenantes, de sorte que chacun puisse accepter les délibérations, des échanges qui devront avoir lieu entre ces différents acteurs. Et avoir des formulations et des approches de résolution des problèmes qui sont acceptées de tous. Donc, la méthodologie, ça, c'est fondamental. Et vous verrez que la vision minière africaine ou la politique minière de la CEDEAO donne quelques orientations à ce niveau.
que si les États les internalisent, cela leur permettra bien sûr de pouvoir s'en sortir avec bien sûr des éléments clés de leur politique minière. Alors, de façon schématique, voici à quoi ressemblerait le principe d'élaboration d'une politique. D'abord, c'est la production, l'analyse, puis la synthèse. Et à chaque niveau, il y a bien sûr des piliers, tels que d'abord l'information et la mobilisation des acteurs au début, la consolidation et l'analyse des problèmes, et enfin l'élaboration des politiques. Donc, le document politique n'est rien d'autre qu'une sorte de document solution ou un livre solution par rapport à tous les éventuels problèmes qu'on pourrait rencontrer dans le processus d'exploitation des ressources naturelles. Donc, vous voyez un peu comment cela se présente. C'est d'analyser la situation économique locale ou macro, au niveau macro. C'est d'analyser la situation internationale, c'est-à-dire le benchmarking, voir quels sont déjà les instruments qui existent, les politiques existantes, et développer les connaissances autour de ça, de sorte qu'on puisse arriver à ce qu'on appelle un projet de politique minérale. Donc, une analyse d'abord est essentielle à tous les niveaux. Ici, c'est un peu ce qu'on appelle l'arbre à solution ou l'arbre d'élaboration du processus. Donc, qui implique, bien sûr, les analyses d'abord du secteur économique, ensuite, réunir les parties prenantes pour en discuter. Cela permettra d'avoir au moins des premiers instruments, des brouillons, qui, à travers maintenant des réunions plus succinctes, aboutiront à un projet de politique qui sera maintenant examiné par d'autres acteurs qui ont beaucoup plus de recul et qui peuvent observer avant d'aboutir à un document final. Ça, c'est fondamental.